Le mec d'avant était plus petit. Bonsoir. Vous pouvez parler entre vous, hein. Vous n'êtes pas pressé, hein. Quand t'arrives au boulot, tu commences pas tout de suite non plus, toi. Encore foutu les cas sociaux devant. En parlant de cas sociaux, les artistes précédents vous ont plu ? Oui ! Eh ben, ça va vous changer. Ouais, je suis là pour augmenter la moyenne d'âge. J'observe, hein, je me suis demandé en faisant la tête que vous auriez. Je suis pas déçu. Remarquez, je suis sûr de pas être déçu. Nous sommes lundi, le public du lundi est un public. T'as raison, garde tes forces pour chier. On va quand même faire un essai tout de suite. Bonsoir public en dire. On était sûr. Je dis pas ça parce que nous sommes lundi, hein. Je dis ça tous les jours. Mais public plus classe ce soir. Bon, et puis là, je suis là pour... parce que j'étais là l'année dernière, et j'entendais ces cons-là qui disaient « On peut pas lui dire salut l'année prochaine, celui-là, on n'est pas sûr. » Bande d'enculés. Alors, l'autre, c'est pareil, il disait « Ouais, il est plus proche du bac à légumes que du bac à sable. Moi, je t'emmerde d'abord. » D'abord, faut pas se plaindre de vieillir. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai plein de potes qui n'ont pas eu ce privilège de vieillir. Voilà. Putain, je viens de plomber la salle. Tu sais que tu te rends compte que tu vieillis ? C'est quand un type te dit « Elles sont belles tes bottes en croco » alors que t'es pieds nus. T'as un rire à chier, toi. Et puis il y a un truc qui ne trompe pas non plus. Bah, c'est quand une pute te dit tu montes et on fait l'amour, il faut choisir. C'est soit l'un, soit l'autre. Bon, on m'a dit, vu que tu as beaucoup d'expérience, si tu nous faisais une chanson d'amour. Je peux faire les chansons. Ce qui concerne l'amour. Vous aimez les chansons d'amour ? De toute façon, sans branle, elle est comprise dans le prix imposé par la direction, on ne veut pas chanter. Chanson d'amour. Ah, lui, il faut pas que je le regarde. À l'habitude, quand ils sont comme ça, ils me les foutent dans le fond, mais là, juste devant. Chanson d'amour. Ça me fait penser à ce type qui dit à la nana, à toi, je te baiserai bien. Elle dit, bien ou volontiers ? Chanson d'amour. L'intro est un peu longue, hein. On s'en fout, les filles. C'est une belle introduction. Et puis, tout ce qui parle d'amour, c'est jamais trop long. Comme il faut bien l'introduire à un moment ou un autre, il en profite un peu. Ah, elle est contente, elle, ça va être ce soir. Si c'est l'autre à côté, c'est pas sûr. Hein. Alors, Premier couplet. J'aurais aimé prendre mon temps pour faire glisser doucement ses bas. Furtivement déboutonner son corsage du haut jusqu'en bas. Dégrafé d'une main experte, soutien-gorge récalcitrant, et lui ôter tout en souplesse un mini-slip avec les dents. Ça commence bien, mais elle vient d'enlever sa culotte. Faut voir comment elle s'y prend. Bordel de merde, c'est pas possible, elle a explosé son collant. Je peux pas le croire, tous ses boutons, elle va jamais en voir le bout. Pour elle, les fabricants de lingerie devraient mettre du velcro partout. Ça, c'est le premier couplet, les autres sont pires. Et sur un fond d'albinoni, mes mains s'immiscent envers ses seins. Virtuelle la plus jolie en m'imprégnant de son parfum. Souriante sous mon étreinte, heureuse et perdue à la fois. L'entendre gémirait se plaindre en murmurant, il n'y a que toi. Mais qu'est-ce qu'il pue, qu'est-ce qu'elle est bien. Ça doit venir d'un grand magasin. Ça va pas mieux, elle fait la gueule. J'aurais pas dû parler de ses seins, mais pour tripoter ses grandes toilettes. Il faut déjà avoir la santé. En plus, elle me souffle dans l'oreille, elle doit avoir le nez bouché.
D'expérience, je vois qu'il y en a deux ou trois qui trouvent que cette chanson n'est pas très poétique. Je dirais que celle-ci au moins le mérite d'être autobiographique. Ça s'invente pas. L'autre là-bas, avec la gueule qu'il fait, elle est tombée sur la même. J'ai conne, hein, on était à deux sur le coup. Mais moi, je l'ai pas épousée. Ah, hein. Après l'amour, rester contre elle et nous endormir ainsi. Au matin, la trouver belle, petit déjeuner au lit. L'embrasser très tendrement, pas vraiment envie de la laisser. Si c'est l'amour, y a sûrement pas grand chose de plus à raconter. Ça y est, c'est enfin terminé. J'ai dû me choper un échauffement. Maintenant j'espère qu'elle va se tirer, que je puisse dormir plus tranquillement. Pourvu qu'elle oublie mon adresse, j'ai pas du tout envie de la revoir. Elle est pas possible cette gonzesse. Allez, salut, tire-toi, bonsoir. Mais moi, j'aurais aimé prendre mon temps.